Salut YouTube, on se retrouve avec un mode un peu particulier, Camp Panda. Donc si vous avez raté un tour de Panda Attack, j'ai un mode un peu particulier qui a pour problème mes resters. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Aïe, bon. Ça détaque pas, c'est loose. On va prendre des coups de... Ah c'est des rhizomes, ok. Coup de rhizome. Hop. Le râle un max, on va lui mettre là sur puits. Si on continue de reculer, on a réussi à s'escape de là, mais bon. Le détacle du Wasta est un peu nécessaire. Moins 2 PM sur la surpuits, c'est plutôt cool. Il y a le double Sadia terminé, la surpuit aussi à gérer à terme. Qu'est-ce qu'il fait? Qui c'est qui peut tacler à cause de la. Oh là là, quel emmerdement! Oui, vu que j'ai essayé sur la... Bah oui, vu que j'ai essayé sur la connaissance tout à l'heure. C'est vrai. Et qui peut triple ronce. S'il avait pas eu la stabi, il se serait connaissance. Et vu qu'il peut triple ronce, il préfère triple ronce. C'est vraiment capital. Hein. Le Wasta, je pense. Je me prends en attaque flasque, j'imagine. Ah, joli ça. Et pour me ramener. Vu qu'il est stable, ça va juste. Ça va pas m'empêcher de. De me barrer, juste, c'est un peu dommage. Faut absolument que j'arrive à setup un arbre de vie. À mon avis, le plus loin possible. Tac. Et on va essayer de le choper cet arbre de vie, ça va pas être facile. Hein. Moi l'enfermement du tonneau est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va choisir de faire? Il y a toujours cette surpuis à gérer à terme. Et ça va lui coûter 2 flammiches du coup. On a pris 6 PA, même si bon, la flasque, je vois. Bien sûr. Et oh, le CK qu'il est cool là. Le CK qu'il est grave cool. Ah, bon, on est full vie tous les deux. Elle va me barrer absolument. J'ai du mal à jouer contre Panda, j'ai vraiment du mal hein, pour le coup. J'ai pas encore. Je suis toujours en train de travailler sur le montage de forgeur de marteau. Un Panda attaque. Malheureusement, là, mes resters, elles sont compliquées. Hein. C'est aussi le problème de Sadie, grade assez bas, on en avait parlé. Là, j'ai des feux de brousse à lâcher du coup sur l'arbre de vie pour me régénérer. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose que j'ai pas vu? Mais putain, c'est que j'ai... Je suis trop con.
J'ai retiré des PA tout à l'heure à l'arbre de vie. Et du coup, je me suis fait cancel là-dessus. Après, s'il veut pas que ce soit spec, je vais pas réouvrir. Hein. Tout petit tac tac, faudrait que je mette un arbre et que je me régène dessus. Tac. Est-ce que je peux mettre une gonflable aussi? Peut-être moyen de faire quelque chose. Finalement, ce serait peut-être un combat jouable contre un panda pour une fois. J'aurais mis dans la zone Wasta, mais en vrai, c'est pas trop un problème. J'ai la libé et je peux. Ça peut être aussi pas mal si je peux le bourrer tant que le panda est pas encore là. Tant que le panda est loin. Faut que je pense à mettre un feu de brousse sur l'arbre de vie dès que j'ai la. Dès que je repasse par là. J'ai la puissance sylvestre éventuellement à mettre sur la gonflable, mais j'y crois pas trop. Voilà. Ok, le Doppel, va falloir faire quelque chose pour lui. Faudrait le faire, hein, parce que les 3 PM, c'est vraiment un problème. Tac, on va pouvoir clear ce là. Westa, je pense. Tellement de PM. Je sens que je vais me refaire lock. Pas trop où aller. Pas trop où aller pour le coup. Pour éviter ça. Est-ce qu'il va mettre. Est-ce qu'il a le cooldown pour un Wasta ici? Le Piccolo Wasta là. Ok. Où est-ce que. Il va devoir se debuff le pendant le QG Doppel à la fin. Sacrifice pour Wesk à mettre. Et l'Orstar de vie auquel on pense pour récupérer 200 HP quand on repassera par là-bas. Ça va, bro? Ah, ça c'est pas dingue. Après j'ai la libé pour virer le Wasta. Il est toujours sa vie. Est-ce que Wasta peut-être? Je pense que le placement de ce Doppel Panda me plaît pas du tout. Tac. Tac pour le forcer à lâcher des PA. Le forcer à lâcher des PA pour passer. Parce qu'elle peut retirer des PM, ça serait vraiment cool si elle pouvait retirer des PM pour le coup. Ok, moins 2, ça c'est vraiment cool. Le moins 3 sur le Wasta, on le note, mais enfin, il était assez évident de toute façon au vu de son esquive PM, mais il est quand même cool à prendre. Et le moins 2 sur le panda, il est vraiment bien. Il va me balancer son Doppel. J'ai Doppel pas ce tour, mais le prochain. Je vais tuer la surpuis.
Un sacrifice poupesque l'arbre de vie pour le coup. Faudrait que je passe une. De folle. Moins 2 PM c'est cool. Bon, garde 2 PA pour ça. Cooldown absolument le plus possible. J'achève cet arbre de vie, on va se régène du coup 300, 360 HP. J'ai le doppel ce tour, mais je sais pas si c'est le plus pertinent. Peut-être falloir que je continue à bourrer un peu. Petite sépicole là? Est-ce que je peux pas gagner? En vrai, ça serait insane. Ça serait le premier panda que j'arriverai à battre. Ce serait avec un mode un peu cheesy où je me suis dit que bon, en vrai, ça peut passer. Faudrait que ça crit par contre. Ça crit pas. Est-ce que j'en mets un troisième? Est-ce que j'en mets un troisième ou est-ce que je mets une herbe folle? Il y a plus de sagesse que moi. On va en mettre un dernier. Essayer de pas se laisser attraper au cac. Je pense pas qu'il puisse me tuer ce tour. Je pense que moi je peux le tuer le tour prochain par contre. Alors peut-être. Il est dans le cul. J'ai pas de... Faut que lui se barre. Est-ce que avec un debuff. Est-ce qu'il faut que je le debuff? Oh mais je peux pas le debuff. Est-ce que je peux le battre là-dessus? Je pense pas que je le tue. Je pense pas que je le tue et je pense que lui il me tue le tour d'après. Tac. Oh non. Non. Non, YouTube. YouTube. Non. Mais. Je. C'est. S'il vous plaît. Oh non. Ah non. Pas comme ça. Ah. Ah. C'est trop triste. C'est trop triste comme fin de vidéo. Je l'ai laissé à 5 HP. Regardez, c'est ce jet là. C'est ce jet là s'il faisait 5 de plus. Si j'avais fait un crit. Après, il est ECK, hein, bon. Je peux fermer ma gueule quand même, mais... Bon, YouTube, c'est sur cette tristesse sans nom. C'est sur cette tristesse sans nom que on doit terminer cette vidéo. J'ai un peu envie de pleurer, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on continue la série avec des défaites, c'est de toute façon pas trop grave. Bon, on a un peu l'habitude. Allez, des bisous YouTube. Prenez soin de vous. Bonne journée.